Seigneur, merci de bénir toutes les personnes qui sont présentes en ces lieux et merci de nous faire énormément du bien. Saint-Esprit, nous voulons que tu glorifies Jésus au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie du fond de mon cœur le pasteur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant vous. Que le Seigneur se souvienne de lui et lui fasse énormément du bien. Ma reconnaissance va à Dieu. Je l'ai déjà déclaré dans ma prière. Je me laisse entre ses mains et qu'il m'utilise comme il veut. Vous êtes les privilégiés d'être là une fois de plus ce soir. Tu es privilégié d'être là. Faveur exceptionnelle. Je veux nous demander de faire un petit exercice. Regardez un peu ce qui est écrit là, faveur exceptionnelle. Est-ce qu'à côté de ça, on a mis le nom de quelqu'un? On a mis le nom de personne, n'est-ce pas? On a tout simplement dit la faveur exceptionnelle. C'est une manière de dire que tout le monde peut vivre ça. On n'a pas mis le nom de quelqu'un, on n'a pas catégorisé une classe sociale ou un certain nombre de personnes. On n'a pas fait cela, on a seulement écrit. Et depuis qu'on a commencé à parler de ce thème, je crois que si vous étiez là, ceux qui étaient là depuis le début, nous sommes tout simplement en train de donner les différents éléments, les différentes conditions qui peuvent faire en sorte que n'importe qui croit en Dieu, puisse vivre la faveur exceptionnelle. Nous sommes tout simplement en train de donner les conditions pour être éligible. Et ce soir, je vais vous donner encore une des conditions, ajoutée à celle que nous avons déjà suivie ici. Dis à ton voisin ou à ta voisine que pour vivre la faveur exceptionnelle, en plus de tout ce que tu as déjà écouté, tu as besoin d'avoir un bon cœur. Dis à ton voisin ou à ta voisine, tu as besoin d'avoir un bon cœur pour vivre la faveur exceptionnelle. Tu as besoin d'avoir un bon cœur. Yepsa voisin, non, que son mouté manuza mabé, ou connaître la faveur exceptionnelle. Malgré tout ce qu'on va faire ici, malgré tout ce qu'on va déclarer ici, si ton cœur n'est pas bon, tu ne vas pas vivre la faveur exceptionnelle. On va arriver le 31 décembre 2018. Toi, tu n'auras pas vécu la faveur exceptionnelle. Alors, on est dit, en ce moment-là, il ne faut pas dire qu'on a déclaré des choses, moi, je ne les ai pas vécues. Il faut dire que mon cœur n'était pas disposé à accepter tout ce qu'on me disait pour que je vive la faveur exceptionnelle. Avoir un bon cœur, c'est quoi? Selon la Bible, c'est tout simplement avoir un cœur selon Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on définit les cœurs, il y a plusieurs définitions à la manière des hommes. Et cela dépend du contexte dans lequel on utilise aussi ces termes-là, le mot cœur. Nous savons tous que dans notre corps, nous avons une partie qu'on appelle cœur. Et qui joue un rôle tel que lorsqu'il s'arrête, personne ne peut plus rien faire. Il est petit. Tu peux avoir 75 kilos. Mais ce cœur ne représente que 1500 grammes, c'est-à-dire 1,5 kg de ton poids par rapport à ton poids. Mais il joue un rôle tel que s'il s'arrêtait,
Le reste de ton poids ne pourra rien faire. C'est pour montrer tout simplement l'importance de ces petits organes. Il est repris dans la Bible 876 fois. Sous plusieurs formes, sous plusieurs manières. Je ne suis pas là ce soir pour donner un enseignement sur les cœurs. Parce qu'il y a tout un enseignement là-dessus. Moi-même, quand j'ai commencé à voir, c'était beaucoup. Mais je suis là pour vous montrer que si tu n'as pas les cœurs selon la Bible, si tu n'as pas les cœurs selon Dieu, tu ne vas pas vivre la faveur exceptionnelle. Nous allons lire quelques passages des Écritures. Le premier passage se trouve dans Proverbe 4:23. Le deuxième, Matthieu 15:19. Et le troisième, 1 Samuel 17:41-47. Proverbe 4:23, c'est l'un de mes versets préférés de la Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Matthieu 15:19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans être lavé le main, cela ne suit point l'homme. J'ai ajouté le verset 20. Mais retenez beaucoup plus le verset 19. 1 Samuel 17:41-47. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, l'homme qui portait son bouclier marchant devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux ?» Il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. » Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par le pied ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Hein? Amen. 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 C'est comme je vous disais, vivre la faveur exceptionnelle. Il faut avoir un cœur selon Dieu. Il faut avoir un cœur selon Dieu. Très souvent, dans la vie courante, nous voyons l'homme, d'une manière générale, être prêt à accepter tout ce qu'on peut dire sur lui. Il peut être prêt à accepter n'importe quel sacrifice. Mais ce n'est pas facile qu'un homme accepte lorsqu'on lui révèle l'état de son cœur. Lorsqu'on dit de quelqu'un que tu as un mauvais cœur, très souvent les gens voient les sorciers, les gens voient les personnes qui sont peut-être possédées par des esprits méchants. Et les gens prennent ça vraiment comme, permettez-moi l'expression, pratiquement une injure
qui fait vraiment mal. À telle enceinte que lorsqu'on qualifie quelqu'un de méchant, c'est vraiment quelque chose qui touche la profondeur de la personne. Parce que l'homme, comme je le disais, n'est pas prêt à accepter l'état réel de ce qu'il est. Bien-aimé, il y a plusieurs passages de la Bible qui révèlent la différence entre la personne qui a un bon cœur et la personne qui a un mauvais cœur. Parlant de cela, la Bible parle de fruits. Lorsqu'on a un bon cœur, on produit des bons fruits en rapport avec l'état de son cœur. Lorsqu'on a aussi un cœur méchant, un cœur mauvais, on les produit aussi par le fruit. Genre, quelqu'un qui n'aime pas partager, quelqu'un qui n'aime pas donner, quelqu'un qui n'aime pas être avec les autres, quelqu'un qui est égoïste, tout ça, ce sont les actes qui traduisent l'état réel de la personne, l'état réel du cœur de l'homme. À telle enceinte que nous, chrétiens, lorsque nous prions pour quelqu'un ou même pour nous-mêmes, la première des choses que nous observons, c'est de vouloir lire au travers les actes de la personne, l'état de son cœur. Parce que vous pouvez prier pour quelqu'un, faire des déclarations sur la vie de quelqu'un, aller même plus loin, poser les actes plus forts, c'est-à-dire prier avec sémence. Mais si le cœur de la personne n'est pas bon, tout ce que vous allez faire ne produira pas de bon fruit. Tout ce que vous pourrez faire comme prière ne pourra pas produire de bons résultats, tout simplement parce que notre Dieu qui est assis sur son trône, qui lit réellement l'état de cœur de chacun, connaît qui est à lui, connaît celui dont le cœur est disposé à recevoir sa faveur et celui dont le cœur n'est pas disposé. Voilà pourquoi ce soir je suis en train d'insister sur l'état du cœur. Tu dois avoir un bon cœur. Nous avons lu l'histoire de David. David n'a pas été un homme parfait. Lorsque nous regardons la vie de David, c'est vrai, il était musicien, il était prophète, il était roi. Un homme extraordinaire. Un homme avec des qualités extraordinaires, mais un homme aussi avec des défauts. David est allé jusqu'à tuer. David a commis des péchés, entre guillemets, aujourd'hui qu'on dirait que des péchés les plus graves. Mais n'empêche, l'Éternel n'a pas hésité de le considérer et de le décrire comme étant l'homme selon son cœur. Tout simplement parce que Dieu connaissait David. Dieu connaissait le cœur de David. Dieu connaissait qui était réellement David. David, lorsqu'il se mettait devant Dieu, il savait devant qui il se tenait. Il était sincère dans tout ce qu'il faisait. Il ne donnait pas une apparence de façade. Lorsque nous lisons les livres des psaumes que David a écrit, vous allez voir comment est-ce que son cœur était dévoué à Dieu. Et comment est-ce qu'il était un homme qui aimait vraiment l'Éternel. Bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu arranges ton cœur, que tu prépares ton cœur, que tu te laisses réellement
Que tu te laisses pénétrer par la parole. Que tu laisses l'Esprit de Dieu te pénétrer. Que tu abandonnes ce qui te retient au fond de toi. Pour que tu reçoives la parole et que tu vives la faveur exceptionnelle. Bien-aimés, on ne voit pas l'état de nos cœurs. Même moi qui vous prêche, vous ne voyez pas mon cœur. Et vous qui êtes devant moi, je ne vois pas l'état de vos cœurs. Mais chacun de nous peut disposer son cœur. Enlever tout ce qui peut l'empêcher de vivre la faveur de Dieu. Parce que tout est fonction de l'intérieur. Lorsqu'on va nous demander de venir s'aimer, nous allons s'aimer. Nous allons venir le faire. Mais est-ce que comment est l'état du cœur lorsque nous le faisons? Pour qu'en retour, nous puissions réellement voir le fruit de ce que nous faisons comme sacrifice devant le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui doit être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir le cœur selon Dieu. Mais ça doit être l'aspiration de tout enfant de Dieu. Ça doit être l'aspiration de tout chrétien d'avoir un bon cœur, un cœur qui plaît à Dieu. Les gens du monde ont dit, je vais le dire en lingala pour mieux le comprendre, pour mieux me faire comprendre. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Tout simplement pourquoi? Parce que les parents peuvent vraiment se donner corps et âme pour que leur enfant reçoive la meilleure éducation et qu'il devienne une bonne personne dans la société. Mais si dans le cœur de cet enfant, il n'y a pas une disposition de manière à accepter tout ce que les parents peuvent faire afin que lui soit une bonne personne, cet enfant ne pourra pas devenir la personne désirée par les parents. Amen. Cet enfant ne pourra pas devenir la personne désirée par les parents. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que l'enfant devienne ce que le parent souhaite. Parce que je crois qu'il n'y a aucun parent qui, en donnant naissance à son enfant, aimerait voir cet enfant devenir n'importe qui dans la société. Ou aimerait voir cet enfant bousiller son avenir. Il n'y en a pas. À combien plus forte raison notre Dieu. Lorsque nous venons en lui, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en venant à Dieu, son souci premier, c'est que nous devenons meilleurs, que nous devenons des bonnes personnes par rapport aux personnes que nous étions lorsque nous vivions dans le péché. Dieu veut que nous puissions abandonner, nous puissions laisser tout ce qui peut nous lier et nous laisser transpercer par la parole afin que tout en nous devienne nouveau. Ça, c'est dans Hébreux 4, 12. Il est écrit que « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. Il faut se laisser pénétrer par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Laissez ça vraiment prendre racine. C'est alors que tu verras que tout ce qui pouvait t'empêcher de vivre la faveur exceptionnelle en ayant un cœur qui ne plaît pas à Dieu va te laisser. Amen. Nous étions en train de parler de David. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui que nous prenons comme un exemple. Parce que le Seigneur a eu à travailler avec beaucoup d'hommes dans la Bible. Mais le seul à qui Dieu a dit l'homme selon mon cœur, c'était David. Nous avons essayé de réfléchir. Il y en a beaucoup, certes. Non, j'ai dit il y en a beaucoup.
C'est-à-dire, nous avons réfléchi sur David. David. Qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que le Seigneur puisse le considérer comme étant l'homme selon son cœur? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de qualités. Mais nous avons relevé quelques qualités seulement. L'histoire de David est bien écrite. Là où nous avons tiré toutes ces qualités dans les livres de 1 Samuel chapitre 17. Il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël, la guerre avec le Philistin, et là où on parle de l'histoire de Goliath et David. Comment est-ce que Goliath a eu à terrasser les enfants d'Israël? L'armée d'Israël était incapable. Et même le roi Saül lui-même ne pouvait rien faire jusqu'à ce que David vienne, jusqu'à ce que David arrive dans ses camps et pose la question sur ce qui s'est passé. Lorsqu'on lui a raconté ce qui s'est passé, il a posé la question simple: qu'est-ce qu'on donnerait à l'homme qui abattrait cet homme-là? Vous connaissez l'histoire? On lui a répondu que le roi a promis de donner sa fille Milka à la personne qui va tuer Goliath. La première des qualités que nous voyons qui fait que David soit considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu, avoir un bon cœur et vivre cette exception, c'est son courage et sa foi en Dieu. Son courage et sa foi en Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la faveur exceptionnelle de Dieu si tu n'as pas le courage. Et encore moins si tu n'as pas la foi en ce Dieu-là. On t'aura beau prêcher, on t'aura beau parler, mais si tu n'as pas ces deux choses, courage et foi en Dieu, tu ne pourras pas vivre cela. Il faut savoir sortir du lot par son courage et sa foi en Dieu. C'est ce que David a fait. Dans 1 Samuel 17, 8, nous pouvons lire, s'il vous plaît. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Ça, c'est Goliath. Oh, Goliath, il était tellement grand. Il était tellement sûr de lui, à telle enceinte qu'il ne demandait même pas à l'armée. Il était tellement sûr de lui qu'il était sûr que de lui-même, il allait écraser toute l'armée d'Israël. Et il a demandé à ce qu'on choisisse un homme qui descende. Et dans la suite, nous voyons que Isaïe avait envoyé aussi David. Et par la suite, dans les versets 24, nous voyons que tous ceux d'Israël, dans les versets 24, non, ce n'est pas 24. Ok, à partir du verset 21, Israël et Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait.
Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins, les Gath nommés Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui, je vous ai déjà dit ça? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on le fera tout ça. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pourquoi, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David n'était pas déjà un enfant normal parmi ses frères. David n'était pas déjà un enfant ordinaire parmi ses frères. David a cela qui témoigne le la il s'est distingué par sa curiosité, son courage et sa façon de faire les choses. Et son frère savait que, connaissant David, il était capable de relever ses défis. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. David maintenant a décidé d'aller chez Saoul. Saoul lui a donné son armure. David a joué quand il est au Kenepa Saoul. Saoul a pessi David a bibounelina. Mais il n'a pas pu supporter le poids de cette armure. Il a dit, j'irai avec ce que j'ai. Il avait son courage, il avait sa foi en Dieu. Il avait sa lance et ses pierres. C'était son arme de chasse. L'arme qu'il utilisait tout le jour dans la forêt lorsqu'il gardait les brebis de son père. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une arme avec nous. Que nous traînons tout le jour, que nous pouvons amener partout et que personne ne peut nous ravir, c'est notre communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu, nous pouvons la porter. Elle ne pèse même pas parce qu'elle est en nous. C'est une arme que nous manipulons tout le jour. Et avec cette arme, nous sommes capables de défier n'importe quel démon, n'importe quel ennemi spirituel, parce que nous savons que nous sommes avec Dieu. Amen. David savait cela. Il avait son courage, il avait sa foi en Dieu, et il savait comment est-ce qu'il voyait comment est-ce que Dieu le secourait, l'avait secouru dans le passé. Et il était sûr. Il savait que qu'aucune personne ne pouvait blasphémer le nom de Dieu et que Dieu puisse les laisser ainsi. Il savait qu'aucune personne ne pouvait insulter Dieu et Dieu les laissait ainsi. Il avait tout simplement, Dieu avait besoin d'un homme pour agir. Et David a saisi l'occasion. Il s'est présenté devant Goliath. Il lui a dit, aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du corps des Philistins aux oiseaux du ciel. David ne s'est pas présenté devant Goliath en lui disant, malgré son courage, que aujourd'hui, moi, David, je vais te tuer. Aujourd'hui, moi, David, je vais donner toute l'armée des Philistins comme proie aux oiseaux. Non, il a dit l'Éternel. L'Éternel va te livrer entre mes mains. Il s'appuyait sur la force de Dieu. Il s'appuyait sur la puissance de Dieu. Mais il savait qu'avec son courage, l'Éternel était capable de délivrer les enfants d'Israël. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas accepter qu'autour de nous qu'il y ait des personnes qui soient en train de blasphémer le nom de Dieu et nous taire.
et nous sentir à l'aise. À la manière des hommes, je vais vous poser une question. Lorsque tu vois quelqu'un injurier ton père biologique ou ta mère biologique, qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur? Est-ce que tu vas rester inactif? Est-ce que tu vas rester inactif? Répondez-moi s'il vous plaît. Vous allez rester inactif. Vous n'allez pas rester inactif. Mais à combien plus forte raison lorsqu'on parle en mal de Dieu, vous allez rester inactif. C'est triste. Lorsque vous vous présentez devant, entre guillemets, ceux qui se disent aussi chrétiens, vous allez voir cette personne commettre faire du mal, et les gens commençaient à parler non seulement en mal de chrétiens, mais aller plus loin jusqu'à dire vraiment votre Dieu là, votre Dieu là, non, si vous êtes devant une personne comme ça, il faut vous animer d'une colère sainte et dire à la personne, c'est Dieu là que tu appelles le Binzan Binzan. Ce n'est pas un Dieu de Binzan Binzan. C'est le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre. Tu commences à rappeler à la personne qui est Dieu. Et tu lui dis, fais attention, parce que moi je suis son enfant. Et en son nom, je suis capable de faire beaucoup de choses. Il peut m'utiliser pour faire beaucoup de choses. Alors ne confonds pas ce que la personne fait et mettre ça sur le dos de Dieu. Non, bien-aimé, il ne faut pas accepter ça. Ne laisse pas le nom de Dieu être blasphémé là où tu es. C'est tout simplement ce que David a fait. David a il n'a pas accepté que David le Philistin Goliath, un incirconcis, continue à ridiculiser le nom de Dieu. Il a tout simplement refusé David cela. Et il s'est élevé au nom de l'Éternel. Et à cause de cela, l'Éternel a agi. La deuxième qualité que David avait pour être un homme selon le cœur de Dieu et vivre la faveur exceptionnelle. Parce qu'à cause de son courage, l'histoire nous est relatée dans la Bible. Il a posé un acte, il a fait quelque chose qui a fait qu'il a vécu une faveur exceptionnelle. Parce que le Seigneur l'a assisté et il a fait quelque chose qu'aucune autre personne en Israël à l'époque, les soldats entraînés à la guerre n'ont pas pu faire. La deuxième qualité, un profond respect pour l'autorité instituée par Dieu. David, lorsque nous lisons ici dans 1 Samuel, il était déjà loin comme roi. Mais il n'avait pas encore accédé au trône. Parce que Saül était encore roi. David, malgré tout ce qu'il faisait, respectait l'autorité de Saül. Il savait qu'il faisait tout ça parce que quelque part, Dieu était en train d'utiliser aussi Saül pour que lui fasse ce qu'il faisait. Ne vous en faites pas. Nous n'avons peut-être pas lu, mais c'est bien écrit. Avant que David ne se présente même chez Goliath, avant qu'il n'ait accès sur le champ de bataille, il est allé chercher d'abord Saül. Il est allé chercher la bénédiction de Saül. À telle enseigne que Saül lui a donné son armure. Mais c'est lui qui a dit qu'il ne pourra pas parce que c'était trop lourd pour lui. Mais au moins, il avait l'accord de Saül. Si Saül avait dit non, David n'allait pas partir. Parce que c'était Saül le roi. Il respectait cette autorité-là. Peu importe ce que Saül était, il respectait cela. Et lorsqu'il est parti,
aussi. Il est revenu. C'est vrai. Les femmes ont commencé à chanter. Quand il sortait, il revenait avec Saül. Les hommes, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué 1000. Et David a tué combien? 10 000. Mais cela n'a pas changé l'attitude de David vis-à-vis de Saül. Par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse, bien-aimé. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Lorsqu'on t'accorde une parcelle d'autorité sous quelqu'un. Ce qui mutu apesiyo eteni ya lopango nakata bokondi na epo yo konza. Voilà. Je me suis fait comprendre. Donc, on te donne une petite parcelle d'autorité par quelqu'un qui a pouvoir non pas seulement sur toi et la petite parcelle qui t'a donné là, mais sur tous les pays. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention de la réaction de la foule. La foule peut t'amener à la disqualification. Tout comme la foule peut aussi t'amener à l'élévation. Mais d'une manière générale, il faudra faire très attention à la foule. Et là, j'aimerais insister sur quelque chose. J'aimerais nous interpeller, entre guillemets, nous les responsables des départements. Moi aussi qui vous prêche ce soir, je suis responsable d'un département à l'église. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je suis le responsable du département de l'école des dimanches, le ministère d'encadrement d'enfants. Mais bien aimé, je ne me suis pas établi là moi-même. Je ne m'étais pas réveillé un matin comme ça et je viens à l'église parole de vérité, je dis je deviens responsable de l'école. Non, il a fallu que le pasteur de l'église parole de vérité m'établisse là et je lui dois tout. C'est ce qui fait que lorsque vous venez à l'école de dimanche, même un enfant de 3 ans, lorsque vous lui posez la question, c'est qui votre pasteur? Ils ne vous diront jamais que c'est Maman Viviane. Ils vous diront que c'est le pasteur Eric Mavinga Massial. Le respect de l'autorité établie. Je ne suis qu'une petite personne. S'il ne m'avait pas établi, je n'allais pas faire tout ce que j'ai fait. Et même pour vous prêcher ce soir, s'il ne m'avait pas choisi, je n'allais pas me mettre là. Bien aimé, c'est triste. Parfois, je suis triste au fond de moi. Je me dis, très souvent, les gens ne comprennent pas le sens de l'autorité et le sens du devoir vis-à-vis de l'autorité. Je vais profiter pour vous enseigner aussi, vous les brebis. N'acceptez pas un responsable qu'on établit sur vous qui vous empêche d'avoir accès à votre pasteur. Ce n'est pas un bon responsable. Il ne veut pas ton bien. Lui avait été établi. On l'a reconnu. Il était aussi comme toi. Et comment est-ce que l'autorité qu'il a établie va te connaître? David, pour accéder à Saül et aller combattre, n'a pas quitté la maison de son père Isaïe jusqu'à ce qu'il arrive là. Non, il a fallu quelqu'un pour l'amener chez Saül. Il fallait qu'il y ait le chef de l'armée qui l'amène vers Saül et qu'il dise, écoute cet enfant. Et lorsque David s'est prononcé devant Saül, c'est alors que David a pu faire ce qu'il avait fait et il a vécu la faveur exceptionnelle. Mais toi, tu veux vivre la faveur exceptionnelle. Vous et moi, nous ne sommes pas les visionnaires de cet être. Nous sommes que là pour partager une petite parcelle de ce qu'on nous a donné. Mais bien aimé, qui peut t'aider à mieux vivre la faveur exceptionnelle?
si ce n'est l'autorité établie. Est-ce que je me fais comprendre? N'acceptez pas. Tu viens voir un responsable, tu lui parles, tu lui dis je vais voir le pasteur. Il te dit non, tu n'as pas besoin de voir le pasteur, tu m'as déjà vu. Pourquoi tu veux encore aller voir le pasteur? À partir d'aujourd'hui, n'accepte plus ça. N'accepte pas ça. Tu es en train de te priver une grande bénédiction. Tu te prives d'une grande bénédiction. Parce que lorsque toi-même tu vas chez papa, tu lui dis papa, j'ai tel problème. Étant le chef de la maison, il a plusieurs solutions. Mais si tu vas chez ton frère aîné, ton frère aîné peut te dire, toi aussi attends d'abord. Ne dérange pas papa avec ça. Moi-même je vais faire. Oseli, frère aîné, à ça la raté. Ton grand frère ne fait rien. Entre temps, papa peut éviter que tu en as besoin. Au même moment, papa ne sait pas que toi tu as un besoin. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faut pas accepter de telles choses. Et nous, les responsables, faisons attention. Tu prêches et on te dit, toi, tu as vraiment l'onction de Dieu. Non, ne venez pas me dire ces choses-là. Moi, quand on vient me les dire, je fuis ça. J'évite même. Non. Si vous me connaissez, vous me connaissez à cause de quelqu'un. Si je peux m'exprimer, c'est à cause de quelqu'un. Alors, aucune gloire ne me revient. Rien ne me revient. La gloire est à Dieu. La reconnaissance, le respect sont pour les personnes qui l'ont établi. C'est triste, bien-aimé. Je profite pour nous dire certaines vérités. Si David ne respectait pas l'autorité de Saül, il n'allait pas devenir ce qu'il était devenu. Bien-aimé, je vais aller plus loin. Ça fait certaines fois, je me dis, est-ce que les gens sont sensés ou pas? Tu as besoin d'un travailleur. Tu viens à l'église parce que toi, tu as accès facile au pasteur. Pasteur, j'ai besoin d'avoir un travailleur dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Le pasteur choisit parmi ces personnes. Il te donne une personne. Je donne un exemple. Hein. Et dans les jours après, vous allez voir cette personne qui était proche du pasteur n'est plus être proche du pasteur. Mais la personne qui était venue demander la personne chez le pasteur continue à être proche du pasteur. Bien-aimé, mettez-vous à la place du pasteur. Qu'est-ce qu'il peut se dire? Est-ce que je me fais comprendre? Tu es un bon responsable. On te délègue au nom de l'église. Va visiter un membre. Au nom de l'église, je dis bien. Toi, tu arrives chez les membres là. Tu ne cites même pas le nom de l'église. Même pas. Tu viens, tu es venu de toi-même. Donc, toi, tu crois que tel que nous sommes assis ici, nous nous connaissons tous. Nous nous connaissons tous. Mais qui est à mesure de nous connaître tous? Répondez-moi s'il vous plaît. On parle entre nous. J'ai saisi ces mâles occasions parce que c'est dans la Bible. Qui est censé nous connaître mieux que tout le monde? Qui est censé nous connaître mieux que tout le monde? C'est lui. S'il ne te connaît pas, tu dois te considérer triste. Tu dois te considérer triste. Parce que même tes problèmes ne sont pas connus. Tes fardeaux, tu les portes avec qui? Avec ton responsable de département. Et ça fait combien de temps? As-tu déjà reçu une réponse favorable? Pourquoi tu ne changes pas?
Que le Seigneur nous aide. Les responsables n'acceptez pas que les brebis vous induisent en erreur. Aucune personne dans cette église, même les extensions de l'église, parole de vérité, ne pourra prendre la place de notre pasteur, ni son rôle. Donc, tant qu'il est là, il faut savoir profiter de lui. Tant qu'il est là, il faut savoir se garder toujours sous lui. Parce que c'est lui qui nous pousse, nous tous. Mais si toi tu sors, toi-même tu vas voir ce qui va t'arriver. Toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça, c'était la deuxième qualité qu'avait David. David a eu plusieurs occasions. Si nous lisons toujours dans 1 Samuel 17, nous allons voir qu'à un moment donné, tellement que la foule ici, vous avez les bakambi, les brebis, il faut faire attention. La foule a amené. Donc, ce n'était pas David. Mais c'était la foule. Lorsque Saül était tout le temps en train d'entendre. Et il a vu qu'effectivement, David avait les succès. David avait les succès, non pas à cause de la foule. David avait les succès à cause de l'onction de Dieu sur lui. Saül est devenu jaloux. Il a voulu plusieurs fois tuer David. Mais ça n'a pas marché. Tout simplement parce que David, lui, n'avait pas ce cœur mauvais devant Saül. Bien aimé, il faut faire attention. Il y a certains responsables qui peuvent vous empêcher de vivre votre bénédiction. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait, mais toi, ton cœur doit être soumis. Toi, ton cœur doit être obéissant. Toi, ton cœur doit s'attendre à ce que Dieu agisse. David était déjà loin. Mais il n'était pas encore devenu roi. Mais devant Dieu, David était roi. Mais devant Saül, David était un petit. Il était aussi son gendre. Mais il n'a pas pu mettre la main sur lui. Et David, lorsqu'il a eu aussi l'occasion de tuer Saül, il a dit, loin de moi de toucher à loin de l'Éternel. Je ne toucherai pas. C'est loin de l'Éternel. Bien aimé, il faut avoir le respect pour l'autorité. Il faut avoir le respect pour l'autorité. C'est triste. C'est vraiment triste de voir certaines brebis responsables passer sans même dire bonjour, ne fût-ce que bonjour. Toi, tu es égal à la personne qui est établie là. La personne qui porte le poids de ton fardeau. La personne qui porte ta vie. Même pas un bonjour. Ah, bien-aimé, tu n'as pas le cœur pour vivre la faveur exceptionnelle. Tu n'as pas ce cœur-là. Pour vivre la faveur exceptionnelle, il faut avoir un bon cœur. Et parmi les qualités d'un bon cœur, le respect à l'autorité. La troisième des choses, une humilité déconcertante. Amen. C'est ce qu'était David. Il était déjà loin. Est-ce que vous me comprenez? Il était déjà loin. Mais il avait une humilité telle que lorsqu'il s'agissait de Dieu, il était capable de danser comme un petit. Bien aimé, cela fait mal. Parfois, tu vois la personne qui conduit les gens dans la présence de Dieu ici, insister pour que les gens prient. Toi, tu viens dans la maison de Dieu, on s'en boudait. Et
Oso boudele nani. Siko oso boudé nani. Nzambe. Ndenge ndeko na ngat lobi. Oso boudé nzambe. Oso boudé moto azo modéré. Oso boudé banzembo. Oso boudé ba voisin. Oso boudé banani. Amen, amen, amen. Toi, tu étais venu à l'église pour qui? Oya ki na église ya pona nani. David roi. David est mon konzi. David roi n'a pas hésité. David, si vous lisez toujours dans le livre de 1 Samuel, vous allez voir. Il danse lorsqu'il s'agissait de danser pour Dieu. Il a dansé devant le trône. Il a dansé devant l'arche. Au point que tout le monde s'est demandé, mais c'est quel roi ça? Il savait que c'est ce qui faisait sa force. Il savait que c'est ce qui faisait ce qu'il était. Mais toi là vraiment, toi vraiment, tu viens devant Dieu. Prions le Seigneur. Lèvons-nous. Dis amen. Amen à Pamba. Vraiment. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas vivre à la faveur exceptionnelle. Donc, tout ce qu'on dit qui concerne Dieu, tu es insensible à cela. Tu as un temps où tu es touché par Dieu, mais pour des choses comme celle-ci, tu n'es pas touché. Voit pas quand tu es touché. Donc, jusque-là, tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on fait là, personne n'était encore touché. Il faut prier le Seigneur qu'il envoie peut-être la personne qu'il faudra pour toi, afin que toi aussi tu sois touché. Les choses de Dieu, on le reçoit comme ça. Quand on déclare, on dit les choses, tu dis seulement amen. Amen. Ça devient automatique. Et ça se matérialise. On ne peut pas insister pour que tu dises amen. Faveur exceptionnelle. Ce n'est que devant Dieu que c'est devant Dieu qu'on expose son cœur. Bien aimé, ce n'est pas devant les hommes. Vous savez, ce n'est pas pour vous choquer. Ce n'est vraiment pas pour vous choquer. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu. Mais bien aimé, le jour où vous aurez l'occasion de voir quelqu'un rendre l'âme, c'est-à-dire mourir, il est venu en marchant, il arrive là, il tombe et il meurt. Tu vas voir que la vie n'est rien. Et lorsque tu as l'occasion d'être, vraiment, nous sommes obligés devant Dieu là, d'être humble. Bien aimé, nous ne sommes rien. Bien aimé, rien. J'insiste, je dis rien. Sans le souffle de l'Éternel. Sans le souffle que nous sommes en train de sortir là. Tout ce que nous pouvons posséder, qui peut faire en sorte que tout ça c'est rien. Du reste, que quelque chose s'attache à toi pour débarrasse-toi de ça.
débarrasse-toi de ça. Parce que lorsque Dieu nous prend, je sais qu'il y a des médecins au milieu de nous. Parfois, tu n'as même pas le temps de dire un mot. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un partir, c'était une femme très forte. J'ai posé tout simplement la question à Dieu. J'ai dit, Dieu, ce que tu fais vraiment. Hein? Je suis venu, j'ai raconté l'histoire à mon mari. La femme était là. Elle parlait. Elle demande le seau. J'ai envie de vomir. Donnez-moi le seau. Mon petit seau est là. Lui-même, elle-même indique là où il y a le petit seau. L'infirmière prend le seau, lui tend. Elle vomit. Elle dit, je ne me sens pas bien. Je sens le souffle. Je sens le souffle. Aussitôt, on devait la sortir de cette salle où elle était pour l'amener dans une autre salle. Bien aimé, comme un rêve. On touche, on fait tout, elle est partie. J'ai regardé, j'ai dit, vous savez, si tout le monde pouvait voir, on allait encore voir vraiment que cette vie sans Dieu, ce n'est rien. Alors, nous devons être humbles. Ce n'est pas pour rien que David était humble. David savait qui il était. Comment est-ce qu'il gardait les brebis dans la forêt? Comment est-ce qu'il a souffert le froid? Il a connu la faim. Il a connu les dangers. Et lorsqu'il a accédé au trône, David savait que ce n'était pas lui. Et c'était Dieu. Il savait cela. Il faut toujours savoir cela. Et à chaque fois que tu as l'occasion de louer le Seigneur, surtout dans des milieux comme ça, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver après. Le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Le maître de souffle, c'est Dieu. C'est lui qui fait que nous soyons ce que nous sommes. C'est Dieu. C'est lui qui fait que toi tu marches, tu entres jusqu'ici, tu t'assois là. C'est lui. Alors si tu as l'occasion de te rouler par terre, tu n'as que faire. Quatrième des choses, la liberté de se réjouir devant Dieu. Toujours dans 2 Samuel 6, verset 14. Nous allons les lire. La liberté de se réjouir devant Dieu. Ce sont les choses qui font que la personne ait un bon cœur et vive une faveur exceptionnelle. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort de lin. Amen. 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 Se sentir libre de se réjouir devant son Dieu. Pour se réjouir devant Dieu, tu n'as pas besoin d'être bien habillé. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir, je ne sais pas, Ozala soneni. Zalara oyoza. Sois ce que tu es pour louer Dieu. Emitia liboso mokelina yo. Sens-toi libre d'être joyeux devant lui, de danser s'il le faut. La cinquième de choses, il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter. Cinquième de choses, hein? Il faut avoir un détachement de l'opinion des autres. Un détachement de l'opinion des autres. Ce qu'il vient de dire là. Okabwanana biloba loba ya baninga. Yo
okendeka na église wana. Ah, toi tu pars toujours dans cette église là. Oyora imaraba loba ekute pas église. Tu n'as pas entendu ce qui a été dit sur cette église là? Ngana okete. Eh, moi je ne pars pas là-bas. Eh, tikaye. Laisse-le. Chacun de nous mokona biso a sa relation particulière avec les dieux de cette église. Zambe ecclesia oyo. Là où je suis convaincu que Dieu agit, personne ne pourra m'enlever. Personne ne pourra me bouger. Personne ne pourra. Peu importe ce que tu vas dire. Azo laksanini, akanisini, ezanini, etalingati. Ah, ça ne me regarde pas tout ça. Moi, quand je viens devant Dieu, je n'ai qu'à faire. Matou est ça au Matou est kangami. Faire. Mes oreilles sont bouchées. Bouchées. Toi, tu vas dormir dans cette église. Toi, tu as laissé ta maison. Tu as laissé ta famille. Mais tu n'es pas sage. Bien aimé. Mon ami. Vous savez pas ce que c'est que là l'église. Tu ne sais pas ce que c'est passé la nuit à l'église. C'était au courant de cette semaine. J'étais en train de partager avec deux sœurs. On était en train d'échanger. Je leur ai dit ceci. Il y a certaines choses. Quand on se lit à ça, c'est une bénédiction. Mais quelque part, on perd un peu sa liberté. C'est une parenthèse, si je l'ouvre, on va aller loin. Mais sachez que quand vous avez l'occasion de servir Dieu, de faire des choses pour Dieu, ne vous occupez pas de ce que les gens vont dire. Peut-être cette occasion ne va pas te revenir. Je vais vous raconter une histoire. Le pasteur est là. Il est mon mari. Au début de notre mariage, nous étions en train de faire le concours. Qui va lire la Bible et la terminer avant l'autre? C'était un concours entre nous. Et comme lui, il sortait, moi, j'ai profité, j'ai lissé, parce que j'ai resté. Et par la grâce de Dieu, ça faisait que plusieurs fois, entre guillemets, j'ai terminé avant. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il est là. Hier, je me plaignais. J'ai dit, je cherche même le temps pour méditer. Si je peux lire, tu vas lire 5, 6 chapitres, tu as autre chose à faire. Non, et là, comment est-ce que tu as osana makambo osala. Est-ce que ma maman peut comprendre le nom? Amen. Ba devoir mususu. Ah, les mamans, vous comprenez? Osa obligé pe ya ko remplir ango poti kalaka na mibeko ya nzambe. Tu dois accomplir certaines mais au même moment respecter la loi. Tu as les soucis de lire. Ah, na mbala moko poso ka posa ko tanga Biblia na yo. Beaucoup ko tanga ngo mingi. Mais le temps. Kasi tanga ko tanga ngo zo wapi? Le temps. Tanga ko tanga ngo zo. Alors so ko monis jeune sœur azo tanga na Bible et on yosu. Quand tu vois une jeune sœur en train de lire la Bible. Ba yoyi sa o yo tanga kaka la Bible. Quelqu'un venait te dire mais toi tu fais que lire si la Bible. Kanga na tanga. Laissez-moi lire ma Bible. Laissez-moi lire ma Bible. Peut-être demain je n'aurai plus suffisamment de temps. Tu lis seulement 5 chapitres. Mikapo, Seigneur, je dois m'élever, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Si je ne le fais pas non plus, je ne serai pas en accord avec la Bible. Yo, chaque jour, prière en église. Retraite et ceci, là, toi, tu ne fais que rester. Retraite après retraite. Reste. Viendra des moments où tu vas chercher une nuit. Tu commences à regarder, tu dis, j'ai besoin d'une nuit. Passer une nuit entière devant mon Dieu.
On développe d'autres mécanismes. Tu es au volant, tu pries. Tu es à l'auditoire, tu pries. Tu vas au marché, tu pries. Tu cherches. Donc au fond de toi, tu es là. Parfois tu marches. Quelqu'un te salue. Bonjour. Après, surtout que on se dit bonjour. Ah, bonjour. Concentration dans mon thème. Juste pour accomplir ton temps de prière. Ça va, il faut multiplier ça beaucoup. Mais si tu as l'occasion de le faire maintenant, tu vas le faire mieux. Peu importe ce que les gens diront. N'écoute pas. N'écoute pas. Tant que tu n'es pas sorti de la Bible, c'est pour la prière. C'est pour vivre la faveur exceptionnelle. Fais-le. Tu sens dans ton cœur que tu as besoin de te débarrasser de quelque chose de valeur pour ton Dieu. Bien-aimé, fais-le. Vous savez, hein? Permettez-moi l'expression, c'est là où je suis que je vois des choses. Parfois, quand on demande de s'aimer, de donner l'argent pour Dieu, tu peux être là en train de réfléchir plusieurs fois. Que je donne. Mais bien aimé, va à l'hôpital. Tu vas voir combien les gens souffrent. Combien les gens sont prêts à dépenser tout pourvu qu'ils retrouvent leur santé. Mais ça devient parfois difficile. Mais toi, tu peux faire une année. Tu peux faire un mois. Tu peux faire deux mois. Trois mois. Tu ne tombes pas malade. Dieu te garde. Dieu te protège. Bien-aimé, à combien plus forte raison lorsqu'on dit donne. Mais n'a pas ça parce que n'a pas été on a pas na sombi ba kisi na ciel makamnyo soka na mbongwa. Parce que je me débarrasse des produits pharmaceutiques. Vous avez compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire, quand je viens s'aimer ici, je sème tout. Donc, le Seigneur ne va pas permettre que je tombe malade. Le Seigneur ne va pas permettre que je perde ma santé. Le Seigneur ne va pas permettre que j'aie des problèmes. Yo, osana facilité à redépenser 100 dollars pour la bas soins médicaux. De dépenser 100 dollars. Mais y a aussi un plâtre, bas ta plafond église au milieu du site. Dans son bas ta plâtre, y a pas un bas aux hommes d'opé santé. Yo, aux opé sarara, aux opé sarara, banat ou banat pour opé ça. Eh, bien aimé. Aux hommes battés en faisant ça, c'est que tu es en train de garder. C'est que pas, en faisant ce que nous sommes en train de faire, il faut savoir te détacher de ce que les gens diront. Détache-toi. Détache-toi. Parce que tel que nous sommes là, nous ne connaissons pas l'état de nos cœurs. Il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît les véritables. État du cœur de chacun. Pour vivre la faveur exceptionnelle, nous avons tout simplement besoin d'avoir un cœur selon lui. Je vous ai donné quelques qualités en nous inspirant de la vie de David. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit l'homme selon les termes de Dieu? Il avait des qualités. Nul n'est parfait. La perfection, nous sommes en train de courir derrière cela. Jour après jour, dans notre marche avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur voit la disposition intérieure,
Quand le Seigneur voit que toi tu l'aimes selon lui, quand le Seigneur voit que toi tu fais passer d'abord ses intérêts avant tout, bien aimé, le Seigneur ne peut pas s'empêcher de bénir une telle personne. Le Seigneur ne peut pas s'empêcher de faire en sorte que toi tu vives la faveur exceptionnelle. Jour après jour, jour après jour, il faut savoir cela. Quand tu te sens à l'aise de faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens penseront, si tu sais que tu le fais pour ton Dieu, sens-toi à l'aise. Et si tu sais que peut-être tu n'auras plus l'occasion de le faire encore, fais-le aujourd'hui. Tu as le cœur pour, tu t'es dit, Seigneur, je vais vivre la faveur exceptionnelle. J'ai besoin de passer 30 jours dans ta présence. Fais-le. Viendra un temps où tu ne seras pas à mesure de passer même une heure à l'aise. Le Seigneur est formidable. Le Seigneur est merveilleux. Bien aimé, nous qui vous parlons, c'est l'expérience de tout le jour. C'est l'expérience de tout le jour. Vouloir toujours préserver l'intimité avec le Seigneur. Moi, j'ai vécu des choses telles que je me dis toujours sans Dieu. Peut-être que je n'allais pas me tenir devant vous. Je n'allais pas être là. Quand je m'assois, quand je regarde ma vie, quand je regarde tout ce que je suis en train de devenir, bien aimé, sans Dieu, rien du tout. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. La faveur exceptionnelle est pour tout le monde. On nous parle des choses différentes jour après jour. Et on peut vous citer beaucoup de personnes. Mais vous allez retrouver presque les choses communes, presque les qualités communes parmi toutes ces personnes. Et c'est tout ce que nous sommes en train de vous donner. Pour vivre la faveur exceptionnelle, il n'y a pas deux chemins. Il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'une seule voie. Suivre Dieu, l'écouter et demeurer dans sa présence. Développe les mécanismes de rester dans la présence du Seigneur. Aie un bon cœur. Dispose ton cœur. Enlève tout ce qui peut t'empêcher de vivre Dieu. Ne sois pas là où on est en train de calomnier Dieu. Ne sois pas là où on est en train de parler en mal de Dieu. Ne sois pas là où on est en train de parler en mal des serviteurs de Dieu. Mets-toi dans des conditions telles que tu puisses vivre la faveur de Dieu. Nous en avons besoin d'une manière ou d'une autre. Sans la faveur de Dieu, nous ne pouvons rien. Nous ne pourrons rien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, tu vas incliner ta tête dans la prière. Tu vas incliner ta tête dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde l'état de mon cœur. Sonde-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Regarde-moi, Éternel. Si je ne suis pas sur la bonne voie, Seigneur, conduis-moi sur ta voie. Je ne veux pas passer à côté. Seigneur, retiens-moi. Seigneur, retiens-moi. Que rien ne m'empêche de vivre ta faveur. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas de vie. Seigneur, sonde mon cœur. Que rien ne m'empêche de vivre ta faveur. Que rien ne m'éloigne de toi. Ô Éternel Dieu des armées. Ô Éternel Dieu tout-puissant.
na pesi molimo na ngala nkolo bomoi na ngala nkolo na pesi Yo motema nanga inyoso kai na pesi kabaka ngaya we sali kwana yo Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Batena motema na yo koleka nyonso. Car c'est de lui que vient le source de la vie. Koleka nyonso ba batema siba ya bomo ezwami na kati. Le courage, la foi. Batela kondima na yo. Le courage et la foi. Biko
La soumission à l'autorité. Wow. Adorez le Seigneur librement, être humble de manière déconcertante. Wow! Il y a-t-il quelqu'un qui aimerait prier avec moi? Lève-toi là où tu es. Élève tes mains, dis: Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Rends-moi humble. Il est écrit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Qui suis-je? Qui suis-je? Rends-moi humble. J'aimerais que cette personne qui est en train de faire cette prière soit debout et lève les mains. Rends-moi humble. Rends-moi humble. Rends-moi humble. De manière déconcertante. Que mon humilité dérange même les gens. Que les gens soient dérangés par mon humilité. Qu'ils disent non, 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 même si on est humble. Même si on est humble. Même si on est humble. Qui suis-je? Wow. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa servante. Que Dieu continue de l'utiliser encore. Zambé akoba kosalela yo lisusu. Amen. Amen. J'aimerais pas que tu quittes cette assemblée. S'il y a quelque chose de mal dans ton cœur, déverse-le devant Dieu. Aie un bon cœur. Et tu vivras la faveur exceptionnelle. Amen. 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 Ça fait un temps. Sali Dango. J'ai appris à vous parler et à vous dire. Sur certaines choses aussi clairement que possible. J'étais en train de parler avec deux frères hier dans mon bureau. Je leur expliquais pourquoi à tout moment je prononce les bénédictions sur vous. Et aujourd'hui, j'expliquais à un frère aussi comment je joue
mon rôle spirituel. Quand Maman Viviane était en train de prêcher, j'aimerais que vous puissiez prendre ces choses au sérieux. Elle parlait, elle a dit des choses très très profondes. Et prenez ça comme ça. Le bishop Kevin nous a prêché bishop Kevin a te akabiso, que Dieu n'a pas des adultes. Nzambe de a Dieu, na Dieu ba n'a yaya, que des enfants. Ba yaya molimo. Nzambe a na bana. Prenez ça comme ça. Zwa yango ndingwana. Et pendant qu'elle elle prêchait, dango yale kote ya, Dieu me parlait Nzambe et il me répétait deux écritures par un prophète. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël hors de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Et confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Dieu était en train de me parler. Ce sont deux écritures. Osée 12 et Deutéronome 20. Dieu était en train de me parler sur ça. Et pour dire à une personne qui est dans cette assemblée, si tu te soumets à ce que Dieu te dit par nous, ce que Dieu te dit par moi, tu réussiras. Amen, amen, amen. Et tu seras gardé. Dans n'importe quelle Égypte où tu te trouves, n'importe quelle difficulté où tu te trouves, le Seigneur te tirera de là. Et tu seras gardé. Et qu'il n'y ait dans le cœur de personne un sentiment contraire. Souvenez-vous, avant qu'on arrive là où nous sommes, j'ai commencé à dire aux gens, si tu n'es pas à l'aise ici, si tu ne m'acceptes pas comme ton pasteur, va vers une personne que tu vas accepter comme pasteur. Et soumets-toi à cette personne à 100%. Mais si tu es ici et que tu as vraiment besoin d'être béni, soumets-toi à 100%. Ce n'est pas parce que je suis comme non, Dieu respecte sa parole. Il respecte l'autorité qu'il établit. Et il doit faire respecter l'autorité. Oscar, mon fils, Oscar, tu sais pourquoi il y a les sanctions? Pourquoi il y a les sanctions? C'est pour donner la force à la loi. S'il n'y a pas de sanctions, la loi n'a pas de force. Pourquoi on doit respecter la loi? Parce qu'on doit craindre les sanctions. Il y a plusieurs sanctions. Et si il n'y a pas de sanctions, on ne peut pas avoir un état de droit. Vous êtes d'accord avec moi? Partout où il n'y a pas de sanctions, l'ordre ne peut pas régner.
et le droit ne peut pas triompher. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il établit quelqu'un, il ne voudrait pas que quelqu'un puisse offenser l'ordre qu'il a établi au risque des sanctions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta faveur exceptionnelle passe par le respect de l'ordre que Dieu a établi. Tu ne pourras jamais vivre une faveur exceptionnelle si tu es une femme et tu quittes l'autorité de ton mari. Tu ne pourras jamais espérer ça. Tu ne pourras jamais espérer vivre une faveur exceptionnelle si tu es un enfant qui n'obéit pas aux parents. La même chose dans l'église. Je crois que le Seigneur a envoyé ce message parce qu'il faut que quelqu'un, cette année, vive une faveur exceptionnelle. Et tu vas vivre cette faveur exceptionnelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute les prédications du pasteur après? Par exemple, maintenant, quand j'ai terminé comme ça, tu vas te chercher une prédication du pasteur. Merci. Je voudrais... Moi, j'écoute mes propres prédications. Après. Et même tout à l'heure, là, j'étais en train de écouter mes prédications. Je cours après les gens des communications chrétiennes pour qu'ils me donnent mes propres prédications. Il y a quelques dimanches ici, je vous ai prêché. Et je vous ai dit, quand on vous bénit, si tu dis Amen avec foi, ton Amen va aplanir les montagnes. S'il y a quelque chose dans ton cœur qui pouvait empêcher que toi tu vives une faveur exceptionnelle, tout de suite là, quand tu vas dire Amen, la chose va exploser. La manière avec laquelle tu es en train de dire Amen soigne ton cœur. Ça soigne ton cœur. Ça soigne ton cœur. Ça soigne ton cœur. Et tout ce qu'il y avait dans ton cœur est ôté au nom de Jésus-Christ. Ôté au nom de Jésus-Christ. Ôté au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, dont je suis serviteur, qu'il puisse t'accorder la grâce. S'il y avait quelque chose de mauvais dans ton cœur, qu'il puisse te transformer par son Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et que ton Amen amène une transformation radicale de ton cœur. Je ne sais pas si j'avais dit ça à ma femme ou je ne lui avais pas dit. Une fois, je crois que c'était lors du réveillon, je suis descendu ici. Je suis venu parler à Papa Ado et à Bras de lui. Parce que je les avais vus, ils étaient dans la présence de Dieu. En train de prier. Ils priaient bien. Mais je sentais que ils devaient faire plus. Je suis venu. Parce que là où j'étais assis, je ne sais pas si je t'avais dit ça chez vous. Je suis descendu. Je leur ai dit, dansez d'une autre manière. Faites
quelque chose d'étrange. Je sens la présence de Dieu. Et ceux qui vont faire ça aujourd'hui vont obtenir quelque chose de spécial. Je ne sais pas s'ils se souviennent. Je leur ai dit ça. Les amis, comme on nous a prêché, apprenez à sentir la présence de Dieu. Lorsque vous sentez que Dieu est là, enlevez tout orgueil. Dansez comme vous ne pouviez pas danser. Soyez libres dans la présence de Dieu. Donnez-moi un alléluia, alléluia et un amen, amen de quelqu'un qui est un fou pour Jésus. Et aujourd'hui, je le déclare devant Dieu. Il a dit que celui qui n'a pas honte de moi, je n'aurai pas honte de lui devant mon Père et devant le sang. Que Dieu fasse ta publicité cette année. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu fasse ta publicité cette année. Que Dieu fasse ta publicité cette année. C'est pour lui. À lui la gloire. À lui la gloire. Amen. Reprends place. Je voudrais dire que si tu es un homme, si tu es un parent, alors que tu as dit un amen et un alléluia comme ça, que la présence de Dieu demeure dans ta maison. Que la présence de Dieu accompagne ton ministère. Que la présence de Dieu accompagne tes affaires. Que la présence de Dieu t'accompagne partout où tu te trouves. Que tous les jours de cette année et les restants de ta vie, que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu es en train de dire un amen ici, tes ennemis sont en train de trembler. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-nous. Seigneur. Seigneur. À toi nous donnons nos offrandes et nos dîmes. À toi nous donnons nos vies. Après cette réunion et après avoir mis en pratique ce que tu nous as enseigné, nos vies ne seront plus jamais les mêmes.
Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Seigneur, c'est à cause de toi, à cause de ton nom, que nous déclarons que cette année est la nôtre. Cette année, c'est la meilleure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et prends place. Je vais laisser la place au pasteur Oscar pour les annonces et les communiqués. Je voudrais seulement te demander une chose. Un Seigneur.